서계 전주 당의 진서계 배척남께 도라벤지 성계 도와이쇼 예체는 서계 전하라 마루다니 갭수지 당인 진서계 배척남께 도라벤지 성계 도와이쇼 최단 사계 전환 진주반도단의 계속 나인진 사계의 척남기 한시상계 도와요 다르마에도 프라바바 에도대상다타가도야와다트 대장 자연이로다 에반밭 사마나의 스와하 오미의 다르마 헤도 브라바바 헤돈 대장다 타가도 야와닷 대샴 자요니로다 에완바디 마하이스라마나예 스와하 옴예 다르마 헤도 브라바바 헤돈 대샴다 타가도 야와닷 대상자연이로다 에반바디마하 스라마나예 스와하 Allez. Bouddha, le Dharma et la suprême sagesse qui est élevée par refuge, par les accumulations ici de la pratique des autorités, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha par le biais de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême sagesse qui est élevée, je prends refuge. Par les accumulations ici de la pratique de la générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha par le biais de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême sagesse qui est élevée, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha par le biais de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha par le biais de tous les êtres. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités, l'être pur et parfait. Si vous réveillez la base de la voix, veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui se relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi permanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort après la mort, de même que l'ombre suit le corps. Les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si menée soit-elle, à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Avec cette pensée viennent l'attention, la vigilance et la grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance, éveil de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de Bodhicitta, sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur l'éveil de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continu mental la voix qui unit le calme mental et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra.
Bien dès lors, la base d'accomplissement des études de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, des sens de Vajrayana, je réalise les engagements du Saint Maître en maintenant avec grande ardeur et sans relâche la pratique des quatre sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent jouer d'une longue vie, veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement et apaisés. En toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des voies, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Nous allons lire l'intervention de la vacuité. Les pages que vous avez, qui ont été imprimées par la suite. Page 208 pour les anglophones. C'est une compilation de différents sutras et des maîtres, des commentaires des maîtres indiens et des maîtres commentaires des maîtres tibétains aussi. Le Satpurusha Sutra. Un manjushri quiconque même, en deux temps, écoute cet enseignement sur la vacuité engendre bien plus de mérite qu'un bodhisattva qui, manquant d'habileté, pratique les six perfections pendant 100 000 éons. Puisqu'il n'est ainsi que dire lors d'une personne qui écoute cet enseignement sans douter. Que dire lors d'une personne qui transmet ce discours en l'écrivant, en le mémorisant, ainsi en enseignant aux autres parfaitement et de manière extensive. Le Tathagata Garbha Nama Sutra. Toute personne qui, associée à toutes ces 10 non-vertus, entre dans cet enseignement sur le non-soi et a foi et conviction que tous les phénomènes sont depuis toujours purs d'existence véritable, n'ira pas vers une mauvaise renaissance. Maradhamana Sutra. Si un bhikshu réalise que tous les phénomènes sont totalement pacifiés par rapport à toute existence inhérente et que le début des souillures est dénué de nature propre, il se départira de la faute d'avoir eu des souillures et il rentrera les souillures instables allant jusqu'à neutraliser l'acte de rétribution immédiate sans parler des fautes secondaires socialétiques et rituelles. Le Chatushataka Dharya Deva. Ce dépôt de mérite ne rend pas l'interrogation qu'attend ce dharma de la réalité ultime. Si une telle interrogation devait advenir chez quelqu'un, cela ferait voler le samsara en éclats. Acharya Chandrakirti, le Madhyamakavatara. Même en tant qu'être ordinaire, lorsqu'un être ordinaire, lorsqu'en entendant parler de la vacuité, si l'on expérimente en soi-même la simple joie, encore et encore, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux et des frissons, on a la graine de la sagesse du plein éveil. L'éclosion de fleurs splendides et variées et l'éclat des suprêmes lieux dorés demeurent si séduisants. Mais aucun créateur pour tout cela est surtout établi par le pouvoir de la pensée, c'est au moyen de la conceptualisation que le monde est imputé. L'esprit démoniaque qui voit un véritable soi, vous avez une vue fausse, ces agrégats composés sont vides, il n'y a aucun être au sein d'eux. De même qu'on désigne un chariot, dépendance de la collection des parties, de même on affirme un être conventionnel, indépendance des agrégats. Les écrits du Nirvisharawa. En cherchant une réalité au travers de l'espace, on ne trouve ni périphérie ni centre. Toutes les perceptions cessent complètement. De la même façon, à l'issue d'une quête minutieuse de l'esprit des phénomènes, on ne trouve pas même un atome d'essence, puisque la quête de l'esprit n'est pas trouvée, ne rien voir et voir la réalité. Les écrits du Saint Sarah. En entrant dans la vacuité des nuits de compassion, on ne trouvera pas la voie suprême. En méditant sur la seule compassion, on n'obtiendra pas la libération. Il restera dans le samsara. Quiconque est capable d'envisager l'unité des deux, ni ne s'étendra dans le samsara, ni ne demeurera dans le nirvana individuel. Le Samadhi Raja Sutra. De même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès, elle fut joyeuse lors de la rencontre et dans la détresse lors du décès, vous voyez ainsi tous les phénomènes. Le Madhyamaka Shastra Dharyanagajuna. La cessation des actes et des afflictions mène au nirvana. Les actes et les afflictions adviennent de la discursivité conceptuelle. Ceci advient de l'élaboration. L'élaboration cesse de la vacuité. Ni les agrégats, ni différents agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui. Pas plus qu'il ne dépend d'eux, le Tathagata ne possède pas les agrégats. Qu'est le Tathagata? Ce qui advient indépendant, c'est déclaré vide d'existence indépendante. Ceci étant une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne indépendant, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide.
La Ratna Valley d'Ariana Gajuna, c'est la personne ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes où est la personne en dehors d'eux. De la même façon que la personne n'est pas véritablement existante parce qu'elle est l'agrégation de ces éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car ils sont l'agrégation de leurs propres constituants. Il y a une strophe en plus. Ça doit être le Dharma Sanghiti Sutra. C'est l'assimilation des agrégats aux phénomènes impermanents, comme la forme, la bulle, etc. etc. Et le Bodhicitta Vivarana d'Arinagajma. Quand ceux qui, en comprenant la vacuité de tous les phénomènes, se conforment à la loi du karma et de ses effets, cela est plus incroyable qu'incroyable, cela est plus merveilleux que merveilleux. Les quatre instants d'Aryadeva. Quand l'existence est vraiment vue, l'ignorance n'a pas lieu ainsi et par tous les moyens. Forcez-vous de trouver cet objet. Le champ des quatre attentions guide pour la vue de la voie médiane de sa sainteté, le septième d'Aryadeva. La sphère des phénomènes qui apparaissent et existent est imprégnée par l'espace de la claire lumière ultime de l'incité. Il y a une réalité ultime ineffable. Vous voyez cette nature de la vacuité en abandonnant les artifices mentaux. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans l'atmosphère de la réalité. À la croisée des six collections de la conscience qui ont diverses perceptions, sont appréhendés les troubles phénomènes dualistes qui sont sans fondement. C'est un spectacle magique qui est illusoire par nature. Ne les croyez pas comme étant véritables, mais voyez-les comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité. En ne perdant pas votre attention, maintenez-le dans la nature de l'apparence vacuité. La prière de l'épanouissement du Dharma au pays des neiges, de sa sainteté le 14e de l'Élama. Vénérable Malpalo Tsava, Shivedoje, Jitsumaripa, etc. L'ensemble des précieux Kagupa, source de bénédiction. La guirlande d'un surpassable maître de cette tradition remarquable, à vous, j'adresse mes prières. Fils le Bouddha Dharma, du pays des neiges, resplendir toujours plus. Tous les phénomènes inclus dans le samsara nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. La sagesse elle-même vide d'élaboration et réalisée dans la nature de Dharmakaya. Imprégnant toutes les existences et les apparences du samsara nirvana, elle est le grand Mahamudra, puisse le Bouddha Dharma du pays des neiges resplendir pour toujours. Le Dharma Dattustavam d'Aryanagarjuna. Impermanent souffrance et vie de ces trois purifie l'esprit. Le Dharma qui est insurpassable dans la purification de l'esprit et l'absence de nature intrinsèque. Prière de conclusion, commentaire du Madhyamakashastra. Au cours de toutes mes existences à venir, puis-je être guidé par Arya Manjushri, être capable de me prier de ma vie de tenir le Dharma général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. Sri Heruka, Sri Heruka, Sri Heruka. Et le nom soit le phénomène, la vacuité de l'esprit qui est la source de toutes choses, car elle est imputée comme étant de nature causale. Joue le nom soit de la personne, la vacuité du soi qui est fabriquée par le filet des concepts adhérents, soit les personnes. Car est la réalité ultime, l'absence de dualité dissonante entre sujet et objet. Shri est la sublime sagesse non duelle qui demeure dans la congruence entre la vacuité de l'objet et celui le seul sens des vams. Okay.
Donc hier, on s'était arrêté à la page 127. Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu, en accord avec le texte, le point c'est que ce que nous avons vu, on manifeste l'expérience de la clair lumière sujet, qui est très lucide, comme la transparence, comme une vie transparente, c'est l'esprit, qui est de nature de clair et cognitif. Mais notre boulot, alors bien sûr, ça prendra du temps pour expérimenter cela. Une fois que c'est expérimenté, vous n'avez pas d'autre pratique que cela, vous devez calmer l'esprit dans cette expérience, détendre l'esprit et continuer à l'observer et exactement comme quand on observe cette pièce vide et on continue de l'observer. Et avec cela, ce point ici, dans le texte, c'est connu comme étant c'est prendre la vue à la part, à partir de la méditation. La méditation en un point. Pour manifester la claire lumière, une fois que c'est fait, et donc une fois qu'on a fait manifester le premier sujet, on cherche la vue, la faculté de cette claire lumière sujet. Bien sûr, avant cela, il faut comprendre la réalité ultime de la personne. De la personne d'abord. Ensuite, c'est suivi par la vacuité de la claire lumière sujet. Quel que soit le cas, pour expérimenter cette claire lumière sujet, ce n'est pas si facile. Cela demande beaucoup de facteurs positifs, mais il faut bien sûr connaître ces choses. Et par la suite, d'une certaine manière, avec, en incluant beaucoup de clés de prière dans cette vie, ce qui peut être fait pour faire en sorte, et même pendant que vous travaillez, par exemple, vous avez un monde ordinaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire de la manière d'aussi propre que possible. La propre, ça veut dire que votre esprit ne sera pas affecté par la colère, l'attachement, la soif, la jalousie, etc. Essayez de réduire cela et d'être aussi proche que le dharma que possible, que toutes les activités que vous faites, enseignez dans le monde, vous êtes consultant, vous êtes employé, vous êtes employeur, etc. Quoi que ce soit. N'essayez pas simplement de vous dire « Oh, parce que mes collègues n'aiment pas cela, et ils essaient d'être dans la promotion, dans la corruption, etc. » Et donc, ça ne veut pas dire que vous deviez nécessairement ne pas vous engager dans la promotion, etc. Ce n'est pas ça. Si vous méritez cela, faites-le, c'est très bien. Les bonnes personnes doivent être sur les positions élevées. D'avoir un statut élevé. Et donc, si vous êtes les personnes avec qui vous êtes associés, les personnes qui dépendent de vous, peuvent être retirées de grands bienfaits de votre statut. Parce que si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre sera là. Une personne qui pourrait générer des problèmes pour les autres. Et donc, c'est le point ici. C'est que essayez de mener cette vie aussi proche du dharma que possible. En d'autres termes, d'abord, soyez bon, sagement bon, soyez habilement bon. Mais si cela advient, la tendance c'est que votre vie va se rapprocher naturellement du dharma, va être en accord avec le dharma. Si vous vous abstenez de faire des choses mauvaises et vous faites de votre mieux pour aider les autres, ça va advenir de manière naturelle. La bonté et la compassion. Et ces deux, pas simplement la compassion et la bonté de manière mondaine, mais d'une manière qui est mentionnée dans les textes, extrêmement profonde. Quoi qu'il advienne, je me maintiendrai à l'intégrité. Parce que la situation, parfois, il n'y a pas de joie, de choix. Je dois aller dans cette direction, etc. Non. Suivez la vérité. Si quelqu'un souffre, vous devez être là. En d'autres termes, imaginez, par exemple, si le Bouddha était dans cette situation, comment est-ce que il traiterait avec cette situation? C'est ça qu'on doit apprendre. Ça, c'est une chose. Et aussi, apprenez comment observer votre esprit. Comment observer votre esprit? Pardon, quand vous allez faire une fête, par exemple, c'est ok, vous allez là-bas, observez votre esprit.
comment l'esprit se comporte. Avec cela, ça c'est une partie. On va dire par exemple l'expérience de la vacuité de la clarté d'un sujet, elle va être plus forte. À un moment donné, tant que ce n'est pas le cas, on essaie de faire avec l'esprit, on essaie de voir ce qu'est l'esprit, même si on n'est pas capable de l'expérimenter, la version dans toute sa splendeur de l'esprit. Ce sera extrêmement clair, pur, etc. Mais au moins, vous savez ce qu'est votre esprit. Il n'est pas tangible. Il est de une simple forme d'expérience qui est... Ce sont les aspects principaux de tout l'univers, c'est les caractéristiques les plus puissantes de l'esprit. C'est l'esprit. Je suis heureux, je ne suis pas heureux, etc. Donc, comme c'est mentionné là, essayez d'abord de voir la vacuité de la personne et la vacuité de l'esprit, l'esprit en général. Et ensuite, quand vous avez activé cette claire lumière de l'esprit, à ce moment-là, vous pouvez observer la vacuité de cette claire lumière sujet. C'est comme ça qu'on progresse. Et donc, avec cela, donc normalement, on est. Ok, donc. Reconnaître la réalité ultime de l'esprit, page 6. Et donc ça veut dire ultime, ça veut dire la vacuité de la clair lumière sujet. Page 6 en français. 125 en anglais. Et donc initialement, on essaie simplement d'observer la vacuité de votre propre personne, de votre soi, de l'individu, et ensuite vous passez à la vacuité de l'esprit en général, et ensuite à la vacuité de la clair lumière de l'esprit. Reconnaître la réalité de l'esprit. La nature de l'esprit, permettez-moi de rappeler les instructions de mon esprit. Celle est l'esprit primordial de tous les Bouddhas, sous l'aspect d'un moine vêtu de la robe safran. Il dissipe les ténèbres de la confusion mentale. Et donc, établi dans l'égalité précédente, où on méditait sur la nature de l'esprit, à partir de cette égalité, investiguer avec perspicacité de la conscience subtile. Donc en fait, les mots sont dans le désordre en français par rapport à l'anglais, c'est pas grave. Et donc, il y a une partie de l'esprit, une conscience subtile, une partie de cela, qui analyse la nature de l'individu, pas l'essence, la nature de l'individu, la nature de la personne. L'individu c'est la personne, le méditant c'est la personne qui médite. Et comment est-ce qu'on fait cela? Simplement comme un petit poisson qui glisse dans les eaux limpides sans y créer de rides. Comme ça. Et donc, vous avez une partie de votre esprit pour examiner à quoi ressemble la nature du soi. Donc, quel type d'examen? Par exemple, Aryanagarjuna lui-même a déclaré dans le Ratnavali, l'individu ou la personne, ce qui est mentionné là, on a une traduction similaire qu'on a en anglais et peut-être aussi en français dans ce qu'on vient de lire. Ok, donc, et en français, c'est quelque part dans les papiers qu'on vous a donnés. Et donc, vous pouvez bien sûr aller vers une traduction ou une autre. La traduction doit être bonne. Et parfois, il y a des traductions extrêmement précises, mais il peut y avoir encore des choses qui manquent. Et sinon, c'est marqué. Ok, si la personne n'est ni la terre, donc ici, l'individu n'est pas la terre. Donc si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de cela, où est la personne en dehors d'eux? C'est ce que nous avons ici. Et donc ici, le second verset dit, de même, de la même façon que la personne n'est pas véritablement existante, parce qu'elle est l'agrégation, elle est l'agrégation de ces éléments. Aucun d'eux n'est véritablement existant, car elles sont l'agrégation de leur propre constituant. Donc le premier point, c'est que ça devrait être une traduction correcte.
Ensuite, les traducteurs, quand ils traduisent, donc c'est là des bonnes traductions. Parfois, ils ont plusieurs habiletés pour voir le sens qui est là, pas uniquement les mots, le sens. Et ils essayent, les traducteurs essayent de ressortir le sens et de choisir les mots de telle façon de refléter le sens. Cela dépend de l'expérience du traducteur. Alors, par exemple, ici, les mots, c'est individu, ici, c'est personne. Et donc, qu'est-ce qui plus résonne le plus avec vous? En français, il n'a pas de choix. Et donc, il y a plusieurs choix ici. Vous, alors, bien sûr, la traduction, c'est moi qui l'ai faite pour les textes de Ganla, mais pas pour le texte que nous lisons, le texte racine. Et donc, il faut essayer de voir ce qui résonne avec votre propre expérience. Et quand votre sage de la vacuité va grandir, essayez de vérifier de temps en temps plusieurs traductions. Et quand vous avez un certain degré de confiance, cette vacuité, c'est comme ça que je ressens les choses, cette vacuité, etc. Et à nouveau, vous relisez ça. Et vous allez être la bonne personne qui va décider, ok, ça c'est une traduction valide. Même si les mots, même si les mots sont corrects, sont appropriés. Mais en termes d'expérience, vous allez ressortir les choses. Parfois, certaines traductions, vous pouvez ressortir. Vous allez lire, vous allez ressortir le flow à l'intérieur. Et certaines fois, certaines traductions sont très bonnes, très, très correctes, mais qui ne font rien résonner en nous. Et donc, il lit ici, donc là, si la personne, donc ici, dans le texte de Racine que nous lisons, l'individu n'est pas la terre. Deux livres. Non, où, l'individu n'est pas la terre. Page 6 en bas. C'est-à-dire que la personne le soit vous. Je ne suis pas. Je ne suis pas la terre. Ni l'eau, ni l'air, ni l'espace, le feu. La conscience. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'air, ni l'espace, ni l'air. Le vent, ce n'est pas une bonne traduction, le vent. Le vent, ce n'est pas une bonne traduction. Ça devrait être l'air. L'air, c'est mieux. L'air, c'est mieux. Par exemple, dans cette pièce, il n'y a pas de vent, mais il y a de l'air. Et donc, c'est pourquoi, en tibétain, c'est long. Long, ça peut être plusieurs. Ça peut être souffle. Ça peut même être souffle, d'ailleurs. Ça peut être énergie aussi. Et donc, il faut vraiment choisir le bon mot en fonction du contexte. Il faut connaître, parce qu'ils ont une grande responsabilité, les traducteurs. Ce n'est pas juste, on prend un dictionnaire et on traduit. Non, les traducteurs doivent, vous devrez avoir contrôle sur ce que vous dites. Vous devriez connaître ce dont il s'agit. Parce qu'il y a beaucoup de traducteurs, mais là, on ne devrait pas dire le vent, mais l'air. L'air, dans ce cas-là. Et dans le contexte de la médecine tibétaine, vous avez, il y en a qui disent des problèmes de vent, mais en fait, c'est des problèmes d'énergie, c'est plutôt ça. Ce n'est pas le vent, parce que le vent, c'est un mot anglais, et ça veut dire beaucoup de choses différentes. Et donc, autant que possible, et donc s'il y a un choix meilleur, vous devez choisir ce choix, faire ce choix. Donc énergie, par exemple, ce n'est pas un problème de vent, c'est un problème d'énergie. La terre, le feu, l'air. La terre, feu, donc il y en a qui disent le vent, mais ce n'est pas une bonne traduction. Ok. Donc l'air, il n'est pas l'espace, ce n'est pas la conscience, ou l'esprit, ou la conscience. Donc les trois, c'est synonyme, quand vous les apprenez en anglais pour dire conscience, esprit, mental, etc. Namishé en tibétain, c'est conscience, ni leur ensemble, et pourtant quel individu est-il en dehors d'eux? Quelle c'est cette personne? Et donc vous mettez sur la vacuité du jeu. Non, c'est ce qu'on fait tous les matins, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait sur le matin, on fait. Ce matin, on a fait sur la fleur, mais sinon, c'est la vacuité du soir. Vous soumettez le soir à l'analyse ultime, vous scannez, là, sous la peau, etc., les tissus lymphatiques, les muscles.
les cartilages, les os, le cœur, les poumons, etc. Toutes ces parties solides qui sont l'élément terre. C'est partie solide. Et l'élément terre n'est pas le soi et l'eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. Et donc, là, avec l'analyse ultime, on voit qu'aucun de ces éléments n'est le soi, de manière de cette expérience. Est-ce que ce serait différent de cela? Non. Est-ce que ce serait différent du côté de l'objet? Différent, objectivement, non. Et donc, du côté de l'objet, où est-ce le soi? Vous allez ressentir que c'est un vide. Ce n'est pas vraiment là, de manière de cette expérience. Cela ne veut pas dire que le soi n'est pas là. Ça veut dire que le soi n'est pas là au regard de l'analyse ultime. Mais le soi existe, et il existe au regard de l'analyse conventionnelle. Conventionnellement, il y a une personne, tout ce qui existe, existe conventionnellement. C'est ce que l'on devrait analyser, l'analyse du soi. Et ensuite, quand c'est fait, on passe à la vacuité de chacun des éléments. L'élément terre, l'élément eau, etc. C'est ce qu'on a fait hier. On a divisé les éléments eux-mêmes. Si le soi est vide, ok, vide d'existence objective, mais les six éléments pourraient être là, non. Même les six éléments, si vous les soumettez à l'analyse ultime, de la même façon, ils vont disparaître. Et donc, par exemple, hier, ce qu'on a fait, on a pioché, par exemple, les parties de l'élémentaire, donc on a le squelette, par exemple, on a pris le squelette, qui est très effrayant, mais c'est la réalité. Et donc, on l'a soumis à cette analyse ultime, et donc, c'est fait de cellules osseuses. Et les cellules osseuses sont faites des membranes, du cœur, et le cœur lui-même est fait de chromosomes. Les chromosomes sont faits de molécules, les molécules sont faites d'atomes. Et donc, on voit que ce n'est qu'un amas d'atomes. Et donc, avec l'analyse ultime, on peut voir que ce qui est un squelette, très effrayant. En fait, c'est rien d'autre que fait d'atomes. Et lequel serait les atomes qui seraient le soi intrinsèque? Et il y a différents atomes, pas le soi, mais comme étant le squelette. Lequel de ces atomes serait identifié comme étant le squelette? Non, ce n'est pas le squelette. Et est-ce que le squelette séparé des atomes pourrait exister? Non, vous mettez de côté les atomes, et il n'y a pas de squelette. Donc, le squelette ne peut pas être vu comme étant intrinsèquement un ou différent des atomes. Et donc, du côté de l'objet, où pourrait exister ce squelette? Vous demeurez dans cette expérience ensuite. C'est le sens de la seconde strophe. Composé des six éléments, l'individu n'est pas réel. Étant lui-même à composer, chaque élément n'a pas non plus de réalité. Parce qu'ils sont eux-mêmes composés de leurs propres constituants. Quand, au terme de cette analyse, vous ne trouvez pas un seul atome de méditation et de méditant absorbé en méditation. Donc même l'égalité méditative, c'est-à-dire que vous méditez l'esprit qui médite. Donc comment on fait cela? Le pratiquant, la personne. Donc, on voit qu'il y a les six éléments, mais l'esprit. Comment on peut voir la vacuité de l'esprit? Comment voir la vacuité de l'esprit? Comment on peut soumettre l'esprit à l'analyse ultime? Comment? Pas par rapport aux six éléments, parce que l'esprit n'est pas composé des six éléments. Six éléments, ça veut dire l'élémentaire, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Et donc, tout ça, c'est associé à l'aspect physique, la matière, et l'esprit, c'est purement mental. Et ce n'est pas physique. Et donc, pour l'esprit, ici, l'égalité. Et donc, quand on investigue, on ne trouve pas même un seul atome de méditation. On va vérifier. En tibétain. Nyamsha. Allons pour cette égalité méditative. Comment est-ce qu'on fait avec l'esprit? Alors, on doit voir la vacuité de l'esprit et de cet esprit de claire lumière. Et pour cela, cet esprit, cette conscience. Cet esprit n'a pas de partie matérielle, il n'a que des parties temporelles. Il a des parties temporelles, ça veut dire qu'il a des parties dans le temps.
par exemple, cette retraite, j'y prends plaisir, je suis vraiment content. C'est le septième jour, de la retraite. Donc ça veut dire qu'il y a cette partie, le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, seizième, septième. Et donc il y a cette partie-là. Le premier jour a 24 heures, et donc c'est pareil, il a 24 parties. La première heure, elle a 60 minutes. Et donc ce sont les parties du temps de l'esprit. Et donc ce sont les parties de l'esprit dans le temps. Ces parties sont connues comme des parties temporelles. Temporelles, ça veut dire dans le temps, du temps, c'est temporel. Les parties temporelles. Et donc, notre boulot, c'est un moment, à ce moment-là, la dernière fois. Je ne sais pas si tout le monde avait manqué cela. Vous vous souvenez quand on avait fait cet exercice avec le gong, comme ça. Vous ressentez le moment présent, l'expérience, je expérimente le son du gong. Je suis en train d'expérimenter le son. Et donc quand on dit cela, je suis en train d'expérimenter le son, il y a un moment présent. Ce moment présent. Ce moment présent. Et donc on peut le ressentir jusqu'à maintenant. Ce moment présent. Et donc c'est du temps. Le temps doit nécessairement avoir trois composantes, vous vous souvenez? Vous vous souvenez des trois parties? Mais début, milieu et fin. Donc, le temps peut être divisé en tant que vous voulez le temps autant de parties que possible. Pas uniquement intellectuellement, bien sûr. D'abord, on doit savoir intellectuellement que l'esprit peut être divisé en, dans le temps. Cette retraite, ça prend plaisir, etc. Ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours, ce n'est pas que vous avez tous les 7 jours en un seul jour, non. Vous savez, le premier jour, il est terminé. Le second jour est venu. Et les autres jours devaient venir. Ensuite, le troisième jour, le deuxième est terminé. Et le quatrième n'est pas encore là. C'est comme ça qu'on expérimente. Bien qu'on dise, qu'on ait le sentiment, oh, je suis en train de prendre plaisir de cette retraite, de 7 jours. Mais en réalité, il n'y a pas un seul moment où on peut dire ça. Ce moment ne peut pas être ces 7 jours, puisque les 7 jours n'existent pas dans un seul instant de moment, de temps. Ce sont des parties. Et notre esprit apporte tout cela ensemble et dit, ah, j'expérimente, je prends plaisir à cette retraite de 7 jours. C'est ce que l'on fait. Et donc, en d'autres termes, ce que je dis, c'est que notre esprit devrait apprendre comment ressentir cela. Cette retraite de 7 jours, oui. Le premier jour de la retraite, oui, j'y prends plaisir. La première heure, j'y prends plaisir, oui. La première heure, pas la seconde heure. La première session. 1h30. Et pas la pause, pas la méditation du matin, la session, la première session. Alors vous êtes capable d'expérimentalement, vous pouvez ressentir cela. Cette première heure, cette première session, qui dure 1h30, elle a Yedam, il y a eu d'abord la partie, elle a eu cette première au milieu d'Almahedou, on a déjà fait ça pendant 10 secondes, et ensuite, on devrait ressortir cela 10 secondes, c'est pas plus bref, c'est pas plus long. Et ensuite, on a dit, et cette partie. Et quand on dit cela, je ne dis pas Yedalma. Ça, c'est pas encore venu. On est dans Om. Et donc, quand on reste dans cette expérience, c'est très bref. Pas plus bref, pas plus long. Dans cette expérience, c'est très précis. Et en fait, vous faites plus bref. Intellectuellement, expérimentalement, vous le faites de plus en plus bref. C'est comme ça qu'on expérimente les parties temporelles de l'esprit, du temps. Comment vous savez, vous pouvez voir les différentes parties du temps, vous pouvez voir l'esprit par rapport à ce temps, parce que l'esprit aussi a ses parties temporelles.
Et donc avec cela, de la façon que quand vous voyez le soi sous la forme de ces éléments, le soi se dissout, quand vous pouvez être en contact avec chacun de ces éléments, ensuite vous les séparez, comment est-ce que vous pourrez trouver le soi? Si vous dites, ah oh, mais non, bien sûr que ça, mais le soi ne doit pas être là, si c'est vous, ce que vous ressentez, il n'y a aucun bienfait. Alors que si vous vous dites, si, un par un, est-ce que l'élémentaire, l'élément eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience, vous séparez de cela. Et donc, on y va un à un, et à ce moment-là, pensez à ce soi qui est tellement important au respect de vous, par rapport à vous. Et donc, est-ce que ce soi, il se dissout dans cette analyse, et vous pouvez ressentir, vous pourriez avoir la sensation d'une peur intense, une forme de peur. Et dans certains cas, dans cette expérience, vous pourriez avoir une sensation qui parcourt votre corps, comme un vent froid, des vagues froides dans votre corps. Et donc ça c'est la sensation d'une sensation très profonde qui vous vient, très profonde, une expérience que vous n'avez jamais ressentie avant. Vous pourriez physiologiquement ressentir que les turbulences de la physiologie qui sont en train de s'apaiser, que vous n'avez jamais expérimenté avant, vous pensez que c'était normal, mais en fait non, vous voyez, vous ressentez que c'est en train. Et là, vous c'est d'une paix extrêmement silencieuse, et que vous ressentez cela, vous êtes sur la bonne voie. Et sinon, continuez à étudier, à réfléchir, et à un moment donné, cela viendra. Mais si vous vous dépêchez, et que, ah non mais ça j'ai compris, ça c'est que, ah oui non mais ça j'ai déjà compris. Si vous faites cela, vous n'allez jamais expérimenter la vacuité, jamais vous n'expérimentez, vous n'aurez jamais ce bienfait. Une fois qu'on doit aller voir le soi, donc ensuite, on doit aller voir ce qu'est l'esprit. Comment ces segments temporels de l'esprit. N'allez pas vous dépêcher en disant, ah oui, non, l'esprit peut être divisé en un million de segments. Ah, si vous dites cela, vous n'allez jamais expérimenter la vacuité de l'esprit. Et la vacuité de l'esprit, bien sûr, pour expérimenter ça, bien sûr, c'est encore plus effrayant. Initialement, c'est encore plus effrayant. Et une fois que vous obtenez la peur, la sensation, d'abord que de ce qu'est l'esprit, et ensuite de sa vacuité, et que vous essayez d'observer la vacuité de l'esprit, et donc vous devez tenir compte des fonctionnalités du monde, que ce n'est pas contradictoire avec cela, alors une paix incroyable va venir en vous, une immense paix, une aise viendra en vous. Et donc quand cela va venir, vous allez passer à la claire lumière de l'esprit. Et donc pour cela, vous devez activer bien sûr cette claire lumière. Avec cela, on va continuer à lire. Quand, au terme de cette analyse, vous ne trouvez pas un seul atome de méditation et de méditant absorbé en méditation, pas même une partie minuscule de méditation, des qualités méditatives, d'état méditatif, de l'esprit, du pratiquant qui serait en train de méditer et qui s'est mis en méditation. Vous pouvez dire, celui qui est absorbé en méditation, en état méditatif. Entrer, ça veut dire être en méditation. Donc en anglais, il faut corriger ça aussi. Mais en français, c'est bien traduit. Donc absorbé en méditation. Donc quand vous avez médité sur la vacuité du méditant et la vacuité de l'esprit, les mêmes qui méditent, qui est en égalité, à ce moment-là, vous essayez de maintenir cette vacuité semblable à l'espace. D'une manière grossière, on va dire que la vacuité est classifiée, donc vous avez la vacuité semblable à l'espace et la vacuité semblable à l'illusion. La vacuité semblable à l'espace et la vacuité semblable à l'illusion. Et donc des deux,
La vacuité semble à l'espace, c'est la véritable vacuité, et la vacuité semble à l'illusion n'est pas la vacuité. La vacuité semble à l'illusion, c'est l'expérience post-méditative. L'expérience qui suit votre méditation sur la vacuité. Je vais l'expliquer, bien sûr, je vais les expliquer chacune d'elles. Quand vous expérimentez que le soi est dans la vacuité, et se dissout dans la vacuité, vous demeurez dans cette expérience, et la vacuité semble à l'espace, vous demeurez là-dedans. Cette expérience de la vacuité de manière focalisée sans distraction. Vous demeurez dans cette expérience. Et bien sûr, pour arriver à la vacuité, c'est difficile, bien sûr, même si vous l'avez. C'est extrêmement une expérience très fluctuante. Cela vient et ça part et ça disparaît. Ça ne va pas être dans vos mains. Et donc vous le faites plus. Encore plus, plus vous allez pratiquer, plus vous allez pratiquer. Et vous allez maintenir cette expérience. Elle va être semblable à l'espace. Et graduellement, elle va rester plus avec vous plus longtemps. Elle va rester plus longtemps avec vous. Et quand elle reste plus longtemps, de temps en temps, vous allez avoir une certaine, un certain contrôle. Quand vous voulez avoir cette expérience, elle va venir. Quand vous voulez la voir, elle va venir. Et sinon, initialement, avec la même analyse, avec l'analyse ultime, ça pourrait vous venir d'une manière très brève, comme un claquement de seconde, une division de seconde, et vous pourrez ressortir dans votre corps ces réactions, et certainement, elle va disparaître. Et donc essayez de maintenir cela. Et donc ce n'est pas de plus, c'est où. Yana, en tibétain, yang, c'est yang, ça veut dire et de plus. Yana, ça veut dire ou bien. Ça veut dire ou bien. Et donc, vous avez une option qui est donnée. La première option, c'est vous émerger dans cette expérience, c'est de méditer sur la vacuité du soi. Et l'autre partie, c'est vous méditez directement, vous méditez directement sur la vacuité de la clairière sujet. Et donc, ou bien, depuis cette égalité, donc ici par ailleurs, on va en mettre ou bien en fait, littéralement. Diverses apparences se manifestent et prolifèrent. Il y a des nuances qui sont là, dans la traduction. Et j'ai essayé de voir comment résoudre les nuances ici. Thank you. Yes. Parce qu'en anglais, c'est très bien, mais la beauté de l'anglais n'est pas suffisante. Il faut avoir le sens approprié. Et donc ensuite, en général, le sens, ça va, mais il y a des nuances qui sont là. Et donc si on ne voit pas les nuances, à ce moment-là, vous allez juste avoir une table, ok? Vous n'aurez pas la table qui est extrêmement ciselée. Et donc, le texte est tellement artistique, et il est bien plein de sens, il est très nuancé. Et donc, c'est pourquoi la traduction, elle devrait être extrêmement nuancée. Ou, depuis cette égalité, diverses apparences se manifestent et prolifèrent dans une vacuité sans obstruction qui n'existe pas en tant que forme matérielle. Mais donc en fait, ce n'est pas un point ici, c'est une virgule. Donc, ce qui est dit ici, vous demeurez dans cette expérience. Parce que vous êtes dans cette pièce vide, n'importe qui peut venir. Un chat peut venir, une abeille, un être humain, etc. Alors, dans cette expérience vide, quand les pensées n'ont pas encore envahi cette atmosphère, quel est ce vide, cet état vide? C'est votre esprit.
qui évite de penser et toutes les pensées peuvent survenir. Alors quel type de pensée, comme l'apparence de la compassion, l'apparence de la colère peuvent survenir, l'apparence de personne tordue, l'apparence de bonne personne, l'apparence de vacuité peuvent survenir. Vous avez toutes ces apparences qui peuvent survenir. Et donc, cette expérience, bien sûr, ce n'est pas de la forme, c'est non matériel, virgule, pas un point, mais virgule, qui est, donc là, il faut corriger. Au lieu de parler d'un continuum, cette continuité sans obstruction, c'est un continuum non interrompu, non obstrué et non interrompu. Non obstrué, c'est-à-dire une chose solide peut vous obstruer, alors que ininterrompu, même l'eau ou l'esprit, ils sont ininterrompus. Et donc, un continuum. Qui est un continuum ininterrompu de l'esprit. Qui s'écoule continuellement comme étant clair et cognitif. Ouais, donc il faut carrément corriger le français aussi. Point. Cet esprit apparaît ou semble. Donc, comme étant clair et cognitif, ok, donc ça point. Cette conscience, cet esprit, apparaît comme étant dépourvu de support, sans remettre à quoi que ce soit. Il est appréhendé tel quel. Virgule. Et donc qui est dit comme étant trompeur, par le protecteur, combo 1, par le protecteur ou bénéfacteur, Shantideva. Et donc ensuite, vous avez la citation de la marche vers l'éveil. Ce qui était appelé comme un continuum ou une connexion est faux ou trompeur. On va dire faux ou factice ou trompeur. Donc, et si lequel est plus utile pour vous, plus puissant pour vous, vous pouvez l'utiliser. Et donc cette collection, c'est faux. Exactement comme un mala, une armée, etc. Alors que j'avais expliqué cela. Et donc, dans le passage précédent, il y avait deux options qui étaient données. Vous aviez
Donc, une option qui est donnée, vous avez la première option. Vous méditez sur la vacuité de la personne avec les six éléments qui impliquent le physique et le mental. Et donc, là, ce n'est plus le physique, c'est directement l'esprit. Non, l'esprit qui est quoi? Comment est-ce que vous voyez la vacuité de l'esprit? L'esprit qui est vu comme étant de quelle source des parties? Quel type de partie? Des parties temporelles. L'esprit peut être divisé en parties temporelles ou des parties dans le temps. Qu'est-ce qu'on entend par des parties temporelles? Qu'est-ce qu'on entend par des parties dans du temps qui? Comme une chaîne de temps. Comme une seconde, par exemple. Comme une seconde. Très bien. Alors quand on a un début, un milieu et une fin, un début, une durée et une fin, quand, donc ce qui est désiré, c'est que si on parle d'une minute, elle a 60 secondes. Chacune des secondes sont les parties temporelles de la minute. Et ce qu'a dit Patrick, c'est que on a par exemple aussi quelque chose dans le temps. Et donc, un segment de temps doit nécessairement avoir un début, un milieu et une fin. Et ces trois sont les parties temporelles, oui. Donc vous pouvez voir que de plusieurs façons, par exemple une année, en France, on a les quatre saisons. On a les quatre saisons. Quand vous avez les quatre saisons, chacune des saisons est les parties temporelles de l'année. Et les parties temporelles ne sont pas nécessairement extrêmement brèves. Elles peuvent être 3 mois, une année, au respect d'un millénaire, par exemple, au regard d'un millénaire. Ça fait 1000 ans. Et donc chacune des années sont les parties temporelles de ce millénaire. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir les parties temporelles, très bien. Et donc ce qui est dit là, c'est que depuis cette égalité maintenue de votre méditation, de la sagesse, de la conscience de la conscience, cette conscience de la conscience, et donc cet esprit qui est décrit comme étant vu par la conscience elle-même. Cet esprit, c'est là où les objets apparaissent et prolifèrent. Ça veut dire que, par exemple, l'esprit vide, la conscience de l'esprit qui est vide de pensée. Et une pensée arrive. Et une autre, et encore, et des nouvelles pensées peuvent venir. Elles pourraient les faire dans une vacuité sans obstruction. Il n'y a pas d'obstruction physique là, dans cette vacuité, dans ce vide, cette nature de vide qui est vide de pensée conceptuelle, qui n'existe pas en tant que forme matérielle. Cette expérience de ces objets, et donc cela est sans obstruction. Et donc là, c'est comment dire, il y avait une virgule et pas un point. Et donc il y a cette continuité sans interruption, plutôt que sans obstruction. Et donc vous avez cette conscience de la conscience, et puis vous expérimentez la conscience. Et cette conscience, c'est une conscience mentale. Cette conscience mentale, elle continue. Elle bouge comme un courant continu qui ne s'arrête jamais. Par exemple, quand vous êtes né, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous êtes né, votre conscience mentale, pas la conscience sensorielle, quand vous vous endormez, elle s'endorme. Et quand vous vous réveillez, elle se réveille à nouveau. Mais votre conscience mentale, que vous soyez dans l'état vigile, l'état de sommeil, etc., votre conscience mentale continue comme un courant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est si important. Et donc, depuis votre naissance, cette conscience mentale qui s'écoule comme un courant ininterrompu, c'est ça qui va reprendre la naissance. Ce n'est pas vos consciences sensorielles.
Et donc, ce continuum ininterrompu, pas sans instruction, il faut changer ça, il faut corriger ça, c'est continuité sans interruption, vous avez le flot de l'eau, et vous mettriez un mur là, cela obstruerait l'eau. Mais ici, le flot qui est ininterrompu, ce n'est pas une chose matérielle qui peut le bloquer, ce sont nos consciences sensorielles par exemple. Le mur ne peut pas bloquer cela, c'est quand vous vous endormez, c'est mis de côté. Alors que votre conscience mentale ne peut pas s'interrompre par aucune force. Elle continue toujours, donc ça continue sans discontinuité, sans arrêt. Et l'esprit, qui a noté cet esprit, l'esprit, cette conscience, cet esprit, cette conscience mentale qui s'écoule continuellement comme étant clair et cognitif. Et donc elle est de nature claire et cognitive. Sa nature claire et cognitive qui est la description de l'esprit. Et donc cet esprit apparaît. Cette conscience, cet esprit que vous avez rendu manifeste, qui est la conscience de la conscience, cette conscience de laquelle vous êtes conscient, on va dire, la claire lumière sujet, que vous avez rendu manifeste, apparaît. Par exemple, vous regardez la fleur. Et donc, quel type de... On a fait la vacuité de la personne, on a fait la vacuité de la fleur ce matin. De la fleur. Oui, ce matin, à la méditation. Oui, pas de la personne. La fleur. En effet, on s'est posé la question. Comment est-ce qu'elle nous apparaît? Comme étant une projection mentale, ou comme un rêve, ou comme étant si objectifié là, de la même façon cet esprit que vous ressentez, essayez de voir comment cet esprit vous apparaît, comme étant objectivement réel, ou votre esprit est en train de créer, comme votre esprit onirique, qui est créé par votre propre esprit onirique. Non, il apparaît tellement réel. Cette conscience apparaît sans dépendre de rien d'autre, semble exister sans dépendre de quoi que ce soit, comme s'il était indépendant d'un autre esprit, et qui semble ne s'en remettre à rien d'autre, ne semble ne dépendre de rien d'autre, et qui est appréhendé ainsi, et qui est appréhendé de cette manière, comme s'il existait de manière de son propre côté. Et quand vous l'observez, cet esprit, et là vous avez ces deux consciences, la conscience de clair lumière, et que vous qui manifestez là du côté de l'esprit, vous observez cet esprit, vous avez l'esprit qui observe et l'esprit qui est observé. C'est assez de choses pour comprendre plus facilement. Et comment est-ce qu'il vous apparaît cet éclair lumière sujet, comment il vous apparaît qui est cet esprit qui observe, il apparaît comme n'étant pas dépendant d'autres facteurs, comme étant dénué de support par rapport à d'autres facteurs, tellement objectif. Non seulement il apparaît comme cela, mais en plus, nous appréhendons cela, nous croyons que ça existe de la façon dont cela apparaît. C'est l'ignorance qui saisit un soi de cette claire lumière sujet. Et donc avec cette conscience-là, qui est appréhendé de cette manière. Et ça veut dire que... Ah oui, d'accord, oui. Donc il y a vraiment une erreur en français là. Oui, ok. Et donc ça veut dire qu'il semble ne pas dépendre de quoi que ce soit, non seulement cela, mais en plus on le conçoit comme cela.
Cette conscience, dit le Bodhisattva, elle est trompeur, c'est trompeur, c'est faux, c'est trompeur. Et donc elle est appréhendée comme cela. Donc ici, il faut corriger quant aux objets qu'il appréhende. Là, c'est une erreur dans la traduction. Donc le protecteur Shantideva nous dit dans la marche vers l'éveil que c'est faux, que c'est trompeur. Donc la conscience qui observe la conscience, c'est trompeur. Dans la marche vers l'éveil, il prend donc ici, il faut mettre entre crochets guide de mode de vie de Bodhisattva, c'est entre crochets parce que c'est pas dans le texte racine, c'est rajouté par le traducteur. De quelle façon est-ce c'est trompeur? Et donc, je vais essayer de prendre le temps pour NCC. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, il y aura deux sessions. Et donc, si ce n'est pas le cas, je vais l'expliquer ici. Comment est-ce que cet esprit, l'esprit qui observe la claire lumière sujet comme étant véritablement réel, de manière indépendante, sans dépendre de quelques facteurs que ce soit, comment est-ce que cette conscience est trompeuse? Ça, c'est très important. Et donc, il y a une façon très facile d'expliquer cela. C'est d'abord d'expliquer sur la base de l'esprit ordinaire. L'esprit habituel, ça veut dire un état d'esprit ordinaire, pas très précisément comme la claire lumière. Et au bout d'un moment, vous devriez être capable d'extrapoler, de l'étendre, ce raisonnement que l'on fait par rapport à l'esprit ordinaire, à l'esprit habituel de notre vie ordinaire. Ça, on devrait l'appliquer à la claire lumière sujet. Comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on voit que l'esprit est objectivement réel? Combien d'entre vous, dans votre vie, vous avez ressenti j'ai tellement de difficultés? La vie est tellement difficile. Oh, la vie est tellement difficile. Et surtout quand vous étiez au point d'aller au collège. Et quel collège? Oh, je vais m'enlever le meilleur collège, etc. Oh, la vie est tellement difficile. N'est-ce pas? Et oh, je fais une promotion. Oh, moi, il y a tellement de compétiteurs. Et il n'y a qu'un siège, il n'y a qu'un poste pour 50 personnes. Et j'aimerais que mon père connaisse le boss de la compagnie pour être. Qui a ressenti cela une fois dans votre vie? Ah, oh, la vie est tellement difficile. Ok. La personne qui n'aura jamais ressenti cela, la même. Ok. On va dire, quand vous dites, la vie est tellement difficile, qui dit cela? Est-ce que c'est votre ami qui dit cela ou c'est vous? C'est vous le dites. Votre esprit le dit ou votre corps le dit? Votre esprit le ressent. Votre esprit le ressent. Oh, la vie est très difficile. Et donc, comment est-ce qu'on est sûr que c'est notre esprit qui ressent cela? Oui, on va voir. Ça, c'est si important. Vous devrez être capable de l'appliquer à votre. Par exemple, on discute de la vie moderne. La vie est difficile. Oh oui, la vie est très difficile. Oh, parfois, c'est marrant. Parfois, c'est ok. Par exemple, il y a une pièce à côté. Et de là, et vous entendez des gens qui discutent, etc. Vous pouvez entendre qu'il y a quelqu'un qui est là. Et ils sont en train de discuter, et donc la personne n'a pas eu l'opportunité d'écouter cela, et vous allez frapper à la porte. Comment est la vie? Et on entend, la vie est tellement difficile. La vie est très difficile. Et là vous dites, oh le pauvre garçon, je suis tellement désolé pour cette personne, et vous allez ouvrir la porte. La vie est très difficile. Et là, il y a 8 personnes qui sont là. Et vous dites, mais votre vie est difficile?
Non, qui a dit non, moi j'ai non, non, yeah, non, ça, ça tout va bien. Moi je suis au centre chakra, je suis tellement heureux. Et la seconde personne, ça doit être vous qui avez dit ça à la vie difficile. Non, non, je n'ai pas dit cela. Qui a dit cela? Qui a dit non, moi je n'ai pas dit cela. Je suis très heureux au centre chakra. Aucune des huit personnes a dit cela. La vie est difficile. Et ensuite vous dites un petit peu. Ah, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je deviens dingue. Et donc vous dites oh désolé, vous ressortez. Et à nouveau vous entendez, vous parlez de la vie, etc. Et vous entendez à nouveau de la même pièce. Vous entendez, la vie est tellement difficile. Et à ce moment-là, vous prenez Acha Kesang avec vous comme étant un témoin pour voir si. Et comment est la vie? Ah, la vie est très difficile. Et tu l'as entendu? Ah, oui, oui, j'ai entendu aussi. Ah, je ne suis pas en train d'halluciner. Non, tu n'hallucines pas. Oui, oui, en effet. Et vous y allez, vous rentrez et vous demandez est-ce que. Tout va bien, la vie doit être difficile. Non, mais qui a dit cela? Mais je vous ai dit que j'étais très heureux au centre Kala Chakra. Et ces 8 personnes vous redisent cela. Et Ajata, voilà. Mais tu as halluciné? Non, je l'ai entendu aussi. Et à ce moment-là, tout le monde y va. Tout le monde va dans la pièce. Et vous avez entendu la même chose? Mais comment est-ce que c'est possible que vous avez... Mais si personne ne l'a dit. Et donc, la première personne dit « là ». Et c'est tout. La seconde personne dit « vie ». Et encore une autre personne dit « vie ». Et donc, ça va. La vie, ça va. Et donc, mais la vie, c'est la personne. Et ensuite, l'autre a dit « et ». Ensuite, « très ». Et ensuite, les autres personnes ont dit « dit, fi ». Et l'autre, si. Non, c'est ça. Très, dit. Attends, j'ai juste l'autre de dit fi. Et l'autre de dit s'il. N'est-ce pas? Et donc, il y a tellement de cultes, de s'il, j'ai des s'il dans les yeux, etc. Et donc, mais personne n'a dit ça. Ok, so let's. Et donc, on va faire comme ça. On va dire, par exemple, Venir de Nuit, là, on va dire là. Ensuite, Thomas, tu vas dire vie. Ajada va dire et. Alors, on va essayer de faire en anglais alors. The life is very deep. Et. Et Saint va dire cult. Ouais, donc ils vont le faire en anglais sinon. D'accord, de l'extérieur, vous allez. D'accord, va la vie. Et là. Là. The, en anglais. Life is the Qu'est-ce que vous avez entendu? La vie est très difficile. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Indéniablement, vous l'avez entendu. Alors vous allez à l'intérieur et demander eh, Vénérable, est-ce que ta vie est difficile? Mais non, mais qui a dit ça? Et donc, qu'est-ce que tu as dit? Non, qu'est-ce que tu as dit? Dis. J'ai juste dit. Je n'ai pas dit que la vie était difficile, je suis très heureux. Et donc, Laura, la vie doit être difficile, non? J'ai juste dit ri. Mais vous avez entendu cela? Ah non, je dois être dingue. Je suis en train de tomber dingue. Et donc vous allez sortir. Et à nouveau. La vie est très difficile, donc vous en entendez encore. Mais comment est-ce que c'est possible que quelqu'un dise cela? Mais qui est en train de dire ça? Je veux savoir qui est la personne. Qui a dit cela? C'est votre esprit qui choisit ces segments de l'esprit, les met ensemble et en fait une seule entité. Et vous interprétez cela comme étant « Oh, quelqu'un dit « La vie est très difficile. »
C'est comme ça que votre esprit joue sur vous, avec vous. Objectivement, quand vous allez voir, personne n'a dit cela, mais subjectivement, vous avez entendu que quelqu'un a dit, la vie est très difficile. C'est comme ça que votre esprit fonctionne, votre esprit. Il y a 8 moments d'esprit à l'intérieur, comme les 8 personnes différentes. Donc, une personne a dit là, l'autre a dit vie. Et vie, elle est partie. Et un autre moment d'esprit a dit, et il y a encore tout le reste, et un moment de votre esprit qui a dit, et qui est parti. Ensuite, un autre moment de conscience qui va dire, très. Et ensuite, un autre moment, celui-là, et pas, les premiers moments, les premiers 5 moments sont disparus. Et ensuite, les autres moments qui vont venir, qui vont dire, très, dit, fille. Et le dernier moment qui va dire, s'il, et il part. N'est-ce pas? Et personne, aucun moment de l'esprit n'a dit « ma vie est très difficile ». Mais vous, cette ignorance qui saisit un soi, mais ça tout ensemble, et on fait une seule entité, et donc et ça semble tellement indépendant là, ça n'est pas une projection mentale pour votre ignorance, et elle le lit comme étant « ma vie est tellement difficile ». Et vous ressentez instantanément quelle est la sensation quand vous dites « oh ». Je suis sans espoir. On va tous. Je suis sans espoir. Dites-le. Je suis sans espoir. Je ne lui dis pas. Oh, je suis sans espoir. Non, non, je suis sans espoir. Si vous dites. Oh, je suis sans espoir. Quel est le sentiment? La tristesse. On se sent dans le creux de la vague. Si on dit. Oh, la vie est merveilleuse. Si vous le dites avec les mains comme ça. Oh, la vie. Quelle est la sensation? Une sensation plaisante. Vous comprenez? Oh, ma vie est tellement difficile. Ah oui, non, cette sensation qui suit est très dans le creux, tellement désagréable. Et quand vous n'allez pas être comme ça, vous allez être comme ça. Parce que vous avez dit, ma vie est difficile, parce que vous allez interpréter ces moments, ces 8 moments de l'esprit, vous les mettez ensemble, et vous les interprétez comme étant, oh, ma vie est difficile. Et quelqu'un va vous demander comment vous sentez, vous allez dire, bah, je ne vais pas bien. Et parce que c'est comme ça que vos sensations, vous, vont tirer vers le bas. Donc c'est comme ça qu'on voit l'esprit comme étant objectivement réel. Alors que si vous voyez, vous allez vers l'objet, vous allez voir qu'il y a seulement 8 moments de conscience. Et aucun des 8 consciences ne dit que la vie est très difficile. Aucun des 8 moments ne le dit. Mais ces 8 moments, ils n'arrivent pas simultanément. Ils arrivent en séquence. En séquence que vous les regardez, il n'y a aucune conscience qui ne se sent comme étant ma vie est difficile. Et donc, simplement, votre ignorance qui saisit un soi, elle met tous ces 8 moments ensemble de conscience et en fait une unité solide et vous fait ressortir ma vie est difficile. Et à cause de cela, une sensation désagréable qui vient très lourde. Alors que quand vous allez dans l'objet, vous allez vous rapprocher, vous allez voir qu'il y a 8 moments seulement. Et qu'aucun des 8 moments n'est l'esprit qui s'est senti comme étant « ma vie est difficile ». Objectivement, vous voyez que l'esprit qui ressentait les choses « oh, ma vie est difficile », cela disparaît de même dans cette expérience. Et vous allez ressentir que votre esprit est beaucoup plus léger. Et donc c'est ce qui est dit là. Ma vie est difficile, ma vie est difficile. Et donc à chaque fois, vous avez ces 8 moments, vous mettez les 8 moments. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mala. C'est ce qui est accolé ici. Les mots. Pas de vous voyez ça comme étant un collier ou un mala. Si vous mettez toutes les grains sans la corde à l'intérieur, ça n'est pas un mala, ça va être un tas de grains. Et là, vous dites que c'est un mala. Et donc, le mala, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est un mala, le premier grain? Non. Le second, non. Il n'y a pas de mala, là. Votre esprit. Il les met toutes ensemble. Toutes les parties ensemble. Et votre esprit va créer une entité ici, qui est le mala, l'apparence de l'entité du mala ici, et vous allez croire qu'il y a un mala ici.
C'est comme ça que le malade, en tant que tel, ce n'est que sont que des graines. Ce n'est que sont que des grains, c'est très trompeur, c'est fictif. Et donc un exemple ici, je me souviens, quand j'étais un jeune enfant, c'était en 84, certains d'entre vous n'étaient pas nés, Thomas n'était pas né. Qui ça? Patrick n'était pas né. Thomas n'était pas né. Maya, tu n'étais pas né en 84, non? Pas né. Maya. Ok. David. C'est quoi ton nom? Ah, Edouard. Tu n'étais pas né? Oui. Si. T'es sûr? Et Véronique? Non, tu n'es pas née. Non, pas née. Ok. Moi, je n'étais pas née non plus. Ok. Donc, c'est en 84. Il y avait les Jeux Olympiques en Russie. Et la dernière, la cérémonie la cérémonie de fermeture, merci. Alors, qui s'en souvient? C'était dans les années 80, 84, quelque chose comme ça, une certaine. C'était dans les années 80. Je ne suis pas sûr quelle année. En 84, il y avait les Jeux Olympiques en Russie. Il y avait le logo. C'est ok. C'est quoi? Comment on appelle ça? Et donc ils avaient fait le logo des. Donc il y avait on a commencé. Il y avait un ours qui était le logo pour ces Jeux Olympiques. Comme un ours. Et donc il y avait des milliers de personnes qui faisaient ces exercices et ils ont créé cet ours. Et donc c'était la fermeture, et donc tout le monde était là pendant 10 jours, ils avaient été là pendant le temps des jeux, et ensuite, et là c'était un moment triste, et l'ours qui pleurait. Et littéralement, les gens étaient tellement émotifs, n'est-ce pas? Et vous voyez l'entité là, que c'est un ours, le symbole de ces Jeux Olympiques en Russie. Et il pleurait, ce nounours, il pleurait, voyez les larmes qui coulaient. Et tout le monde, tous ces participants, les spectateurs, ils étaient tellement émus, il y en a beaucoup qui pleuraient. Est-ce qu'il y a un ours qui est là qui pleure? Non. Il y avait peut-être 2000 personnes là et elles étaient nerveuses. Elles n'avaient pas le temps de pleurer. Et moi, je dois avoir la médaille, etc. Ou j'ai pas eu la médaille, etc. Et une personne qui montrait. Ah, parce qu'en fait, il devait faire, en fait, okay, ce nounours, c'était en fait avec plusieurs papiers. Les gens tenaient des papiers et ça devait. Et vous deviez cacher le panneau quand la goutte venait, la larme venait, en fait. Donc, c'était tous les gens qui étaient là, 2000 personnes qui faisaient le nounours avec. Et on voyait les gouttes de larmes qui tombaient. Et les gens étaient tellement motivés. Mais pourquoi est-ce que vous étiez motivés? Parce que les gens, c'était. Mais il n'y a rien, il y a juste. Toutes ces personnes sont nerveuses pour faire leur spectacle, de créer un nounours de loin, etc. Et donc, c'était encore en URSS. C'était l'URSS, c'était pas encore la Russie, c'était l'URSS. C'est-à-dire qu'ils devaient, s'ils faisaient mal leur spectacle, ils avaient des problèmes. Ils pouvaient finir en prison. Et donc, ils n'avaient pas le temps d'être nostalgiques. Et donc, ils étaient effrayés de bien faire leur spectacle. Personne ne pleurait, mais les gens étaient tellement émus. Mais pourquoi? Mais non, il n'y a rien, il n'y a personne qui pleure là, de ce côté-là. Et donc, c'est votre ignorance qui saisit un soi, qui projette, quelqu'un qui pleure là, et cela vous affecte. Et donc cela vous rend ému, émotif.
Mais donc ce n'est pas. Donc c'est ce qui est arrivé à, tout, à nous tous, à tous nous tous, à chaque moment, à chaque fois cela arrive. Et qu'il y a des atomes qui sont là, qui font leur boulot. Des atomes qui sont là, ils font leur boulot. Et il n'y a aucun atome ne se préoccupe de vous. Aucun atome ne pleure. Et quand vous partez, votre mère pleure. Et en fait, il y a des. Ce n'est que des atomes qui sont là, qui font leur boulot. Il y a des atomes qui sont là, qui sécrètent les larmes, etc., les atomes de la larme, etc., des molécules d'eau. Et vous voyez, c'est là, votre mère qui pleure. Oh, mon fils pleure. Oh, mon enfant pleure. Oh, mon ami pleure. Tout le monde pleure. Enfin, ce sont des atomes qui font leur boulot. Et vous interprétez cela, et votre ignorance qui se dit un soir, oh, il y a quelqu'un qui est là, de manière objective, qui pleure pour moi. Et donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc il y a plus de détails. Mais oui, ça fait sens, c'est comme celle-là que les choses sont, donc on exagère tellement de choses, et donc c'est ce qui nous mène précisément vers la vacuité. Ce que j'ai dit là, c'est que le Bodhisattva Vajradhara dit comme un collier ou une armée. Une armée, c'est quoi? Des milliers de soldats qui sont là. Des milliers de soldats qui sont là, c'est ça qui fait une armée. Mais aucun des soldats n'est l'armée. De la même façon, les milliers d'athlètes, tous ces athlètes qui faisaient ce dessin en fait avec des panneaux de couleurs. Aucune de ces personnes n'était l'ours. Et l'ours, c'est juste imputé par votre esprit. Et vous allez vers l'objet. Il n'y a pas d'ours, il se dissout, il est vide, il n'est pas là du tout. Il n'y a pas d'ours qui pleure. Quand vous dirigez vers l'objet du côté du sujet, vous voyez un ours qui pleure avec des larmes, tac, 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 tac. De une distance, vous voyez cela, vous rapprochez, et vous ne voyez que des individus qui sont en train de transpirer. En train de transpirer, qui font leur boulot. Et de la même façon, les individus, c'est que vous avez quelqu'un qui pleure, et vous allez vous rapprocher vers les atomes. Et vous allez voir que des molécules sont là, sont en train d'être repoussées par d'autres molécules, et qu'il y a des molécules qui sont là, qui sont occupées à sortir de là. Mais en réalité, il n'y a pas de quoi se préoccuper. Objectivement, il n'y a personne qui soit là, en train inquiet, etc. Mais même l'eau, quand vous parlez de l'eau, c'est pareil de l'eau. L'eau, c'est quoi? Juste H2O, c'est H2O et c'est tout. C'est deux oxygènes et un oxygène. H2O, oui. Et donc, c'est juste cela, ce n'est pas de l'eau, aucun des atomes n'est l'eau. Et donc, même l'eau ne fait pas sens du côté de l'objet. Rien ne fait sens du côté de l'objet, rien n'existe véritablement du côté de l'objet. Tout cela vient du sujet. Mais cela ne veut pas dire que... Et donc, le monde n'a plus aucun intérêt. Non. Objectivement, le monde est sans intérêt. Subjectivement, le monde est plein de sens. Subjectivement, ça veut dire indépendance. Indépendance d'autres facteurs, il existe, les choses existent. Indépendamment, rien n'est là. Rien n'existe là. Indépendamment, ça veut dire, et donc c'est parce que les choses n'existent pas de manière indépendante, elles existent de manière dépendante. Et donc, indépendance des vertus, le bonheur advient. Indépendance des non-vertus, les souffrances adviennent. Et donc il y a cette relation causale infaillible, la loi karmique infaillible qui advient du côté du sujet. Et donc on ne peut pas s'évader de cela, on ne peut pas dire « Oh, rien ne fait plus sens ». Quand vous dites « Rien ne fait plus sens », vous tombez dans le nihilisme. C'est ce qu'a dit Aryanagarjuna. Celui qui a réalisé la vacuité et qui se conforme à la loi de karma, c'est plus merveilleux que merveilleux. C'est la merveille, la plus grande des merveilles. Et quand vous voyez la vacuité, parce que vous voyez la vacuité, que rien n'existe de manière objective, tout existe en dépendance d'autres facteurs. Et donc tous ces autres facteurs dépendent, en dépendance desquels votre bonheur survient, ils sont si importants. Et les autres facteurs, en dépendance desquels vos souffrances surviennent, ils doivent être éliminés, éradiqués. Et donc cette loi karmique a failli, quand vous voyez cela, quand vous voyez la vacuité, ça, c'est une personne qui a véritablement compris la vacuité. Et c'est
c'est ça, c'est la plus belle des merveilles. C'est bleu, grand que grand. C'est plus incroyable qu'incroyable. Et donc, c'est pourquoi votre attention au karma doit se développer quand vous méditez sur la vacuité. Et donc, si votre respect vis-à-vis du karma diminue, quand vous sombrez dans le nihilisme, c'est tellement important. Ok. Avant que nous allions plus loin, nous avons 3 sessions. 2 sessions demain. Et aujourd'hui, on pourrait faire une session. On pourra rajouter une classe en plus du NCC. Et si vous avez une ou deux questions, et pour clarifier, pour nuancer, c'est essayer de faire le NCC cet après-midi, sinon demain sur les derniers jours des enseignements. Et donc, on essaiera d'avoir une classe après le NCC demain. Et là, on essaiera de raffiner les choses, de clarifier, pour voir, méditer sur la vacuité de manière précise, parce que cela nécessite certaines étapes, et il ne faut pas manquer aucune étape. C'est très important. Une ou deux questions que vous pourriez avoir. Votre exemple de l'ours, il y a des gens qui pourraient pleurer, qui pourraient avoir beaucoup d'affliction, et certaines personnes non. Et donc, parce qu'il a ses atomes, certains atomes ne bougent pas, et ils ne vont pas projeter de l'H2O. Donc, quel est le processus? Je ne comprends pas. Objectivement, du côté du sujet, il y en a qui créent du karma et qui sont affligés, et certains ne le font pas. Certaines personnes sont très émotives, est-ce que ça veut dire que c'est une faiblesse? Cela dépend. Il y a des gens qui, en étant émotif, et parfois, c'est juste parce qu'il y a des gens qui sont émotionnellement faibles, et il y a des gens qui sont émotionnellement très forts. Et donc, on va dire que quelqu'un, par exemple, qui a 35 ans. Et on dit, ah, mais tu as l'air d'avoir 34 ans, ah, merci. Et la personne est très heureuse. Et si c'est votre état d'esprit, votre esprit est très faible. Parce que vous êtes juste dans l'inflation, juste pour un mot. Quelqu'un va dire, par exemple, la personne a 35, elle va dire, oh, tu as l'air d'avoir 29. Et là, si la personne dit, oh, merci, ça, ok, ça va. C'est un grand compliment. Mais sinon, pour un an, quelle est la différence? Vous avez l'air d'avoir 34. Que vous êtes tellement heureux. Et donc, votre esprit est facilement en train de fluctuer. Il y a quelqu'un qui vous donne un petit compliment. Ah ben, vous êtes tellement excité, tellement heureux, oh là là, je suis tellement content. Et là, c'est tellement faible. Mais alors que... je commence à pleurer. Et une autre personne, vous voyez, avec la guerre en Ukraine, avec les Russes, etc., vous voyez ce qui arrive. Et là, vous mettez tellement d'efforts, vous priez, vous faites de votre mieux, et vous voyez ce qui arrive. Et ils ont perdu leur maison, et avec l'aide des autres pays, avec l'ONU, et donc ils vont reconstruire tout ça, vous priez pour tout cela. Vous pouvez imaginer la souffrance de chacun de ces millions de personnes, et maintenant vous voyez que tous ces millions de personnes, ils vont être restaurés, etc., ils vont se construire avec cette expérience. Vous pouvez ressentir cela, vous pouvez ressentir qu'avant, il y avait tellement de compassion, et là vous voyez que ils sont tellement heureux, et vous commencez à pleurer.
Et ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure que c'est de la faiblesse pour certaines personnes, ça peut être une faiblesse pour d'autres personnes, ça peut être à cause de la force. Et donc on doit vérifier. Et donc ce qui advient, c'est que notre esprit n'existe pas de manière véritable, bien sûr. Cet esprit qui est extrêmement compatissant, il peut affecter la physiologie, votre physiologie. Votre physiologie, elle est affectée par la biologie. Et donc, il y a les effets dans le cerveau, et ensuite l'esprit, le cerveau qui commande aux larmes, etc. Donc c'est comme ça la psychologie affecte la physiologie qui, elle, affecte le cerveau, la biologie, et donc le muscle, etc. pour sécréter les larmes. C'est comme ça que cela vient. Alors que pour quelqu'un qui... Oh, la tasse est cassée. Oh. Et donc, votre journée est totalement est fichue. Oh, ma tasse est cassée. Et c'est là où notre façon de penser est tellement faible. Et cette façon de penser faible, oh, ma tasse est cassée. Vous vous sentez tellement triste. C'est cet esprit qui affecte la physiologie, qui affecte votre cerveau, et votre cerveau qui commande et qui dit et hey. J'ai perdu la tasse, et tu dois pleurer, tu dois sécréter les larmes. Et les larmes surviennent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quelqu'un qui pense à oh, j'aimerais tellement que la guerre en Ukraine s'arrête et que toutes ces personnes et qu'elles reviennent et qu'elles reconstruisent leur maison et que les parents et les enfants se retrouvent, etc. Et quand cela vient, vous êtes tellement content que vous pouvez vraiment, vous pouvez pleurer. Et donc cette personne ne va pas pleurer quand la tasse va se casser. Ça va être ok. Je vais en acheter une autre, je vais en trouver une autre. Et donc ici, je peux boire là-dedans, c'est pas grave. Et ça n'est pas grave. Ces personnes vont être très fortes. Cyril, j'avais une question sur l'existence subjective. Les choses existent de manière subjective. Et donc vous avez dit que c'est une projection mentale. Au respect de la loi karmique, la causalité, etc. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas d'objet extérieur là, comme par exemple une planète que personne ne connaîtrait? C'est une bonne question. Est-ce que tu fais le basic programme? Le début du basic programme? La question est, si c'est purement subjectif, purement subjectif et pas objectif du tout. Donc on parle de l'univers par exemple, et donc l'univers, il y a tellement, il y a d'innombrables de systèmes qu'on n'a jamais vu. Et donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont non existants? Parce qu'on ne les a pas vus. Si c'est purement subjectif, alors il ne devrait pas y avoir d'objet, et si le sujet ne l'a pas vu, l'objet n'existe pas. Donc c'est-à-dire que tous ces systèmes solaires, tous ces systèmes stellaires n'existeraient pas, puisque personne ne les a vus. On va dire que c'est comme ça que l'esprit fonctionne. D'abord logiquement, et ensuite après cela, après l'explication logique. L'explication logique, ça veut dire que tu ne pourras pas débattre contre moi, mais tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas satisfait, convaincu, expérientiellement. Comment générer l'expérience? Ça, c'est l'étape successive. Et donc, on va dire que, par exemple, il y a cet univers immense, c'est pas ce qu'il y a là. Il devrait y avoir quelque chose. Quand tu dis il devrait y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu, ce que nos yeux ne peuvent pas voir, mais ce que notre conscience mentale peut imaginer. Par exemple, tu n'as jamais vu tes poumons, mais tu sais que tu as des poumons.
La langue, c'est au travers de l'inférence, même si tu ne les vois pas. Mais tu sais qu'ils existent. La langue, subjectivement, tu connais. Tu sais. Non, pour dire que quelque chose existe, ce n'est pas nécessairement que tes yeux les voient. Ce n'est pas nécessaire. Et non, qu'il y ait d'autres sujets qui sont là. Et donc, dans tout l'univers, qui consiste en l'univers visible et l'univers invisible. Et quand vous dites cela, à ce moment-là, le monde, c'est le monde non visible, l'univers non invisible, est projeté par l'esprit. Qui voit cela? C'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est le sujet. Là, c'est projeté. Qui est en train de projeter ces systèmes stellaires invisibles? Alors même si visuellement, ce n'est pas la conscience visuelle qu'elle ne voit pas cela, et donc elle ne voit pas cela, mais on peut l'expliquer logiquement. Et du point de vue de l'expérience, et donc toutes ces questions, elles vont continuer à venir. L'esprit ne sera jamais satisfait, quelles que soient les, même si les réponses sont consistantes logiquement, on ne sera jamais satisfait parce qu'on n'aura pas expérimenté cela, on ne sera pas convaincu à l'intérieur. Comment est-ce qu'on va être convaincu? La première, uniquement, le premier pas, le premier seuil, la première porte d'entrée, le premier seuil pour ces questions, c'est il faut avoir une certaine expérience que la fleur là, c'est juste une projection de mon esprit. Oublie tout le reste. Uniquement d'abord la fleur. La fleur sur vous, sur ton corps, toi-même, la table. Et donc il faut avoir quelque chose. Et on doit être convaincu que cela n'existe pas de la façon dont il nous apparaît. Et cela, c'est purement une projection de mon esprit. Et ça, on doit avoir l'expérience de cela. Et vous appliquez cela sur d'autres choses, comme Ariana Gajona nous l'a enseigné. D'abord, la vacuité du soi. Ok, le soi n'est pas là, mais les six éléments sont là. Et même les éléments, comme dit Ariana Gajona, ils sont aussi, ils exigent mes subjectifs. Et donc, il y a les deux aspects, les deux ailes. D'abord, il y a la profondeur. Donc ça veut dire que donc cette fleur, cette maison, etc., 5 ohms, le monde, et le système solaire, la voie lactée, l'univers visible dans le temps, et aussi dans l'espace et dans le temps. 15 milliards d'années en arrière, il y avait la singularité où cet univers a été, commencé à se manifester, ensuite les dinosaures, etc. Tous ces organismes monocellulaires, puis les dinosaures, etc., puis les homo sapiens, puis à l'avenir, c'est ce qu'on voit dans le temps, d'une manière très vaste. Dans le temps. Et il y en a une qui est en profondeur, ça veut dire que la fleur n'est pas objectivement réelle, et les cellules n'existent pas de manière objective, et le cœur des cellules, et le chromosome, et les molécules d'ADN, les atomes, les neutrons, les protons, les neutrons, et on va aller de plus en plus, plus subtil. C'est comme ça qu'on entre dans la profondeur. Et ensuite, il y a la vastitude. Il y a ces deux. La profondeur, la vastitude, et graduellement, on va se dire que tout ce qui advient, tout ce que je vois ici, tout ce que j'expérimente, rien n'existe véritablement ou de manière objective. Cela va venir en toi. Et cela doit être pour l'expérience, pour avoir une réponse expérientielle. Ça, c'est la qualification minimale. Et ensuite, les réponses vont venir automatiquement, même la loi du karma, même l'efficacité du karma, et les variations constantes, ce qui est vu, pas vu, tout cela tombe dans la catégorie de la réalité subjective. Et tes réponses aussi, ce qui est vu, ce qui n'est pas vu, tout cela, cela vient par l'expérience. Mais il faut d'abord avoir une certaine aperçu de la vacuité. Sans cela, quoi qu'on fasse, toutes les questions qu'on va poser, on n'aura jamais une satisfaction expérientielle, la conviction. Et donc, logiquement, oui, ça, on pourra obtenir. Ok. Patrick? On parle. Oui. On parle du temps, de l'esprit en tant que partie temporelle. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de partie spatiale de l'esprit? Parce que l'esprit peut être dans deux endroits différents en même temps. Par exemple, on pense à l'Ukraine et en même temps on pense à nos situations. Donc l'esprit, en même temps, est en train de s'intégrer dans l'expérience de ce qui se passe en Ukraine et en même temps, parce que nous.
So the question is, again, that why do we speak only about temporal parts, about mind? Because mind could be also divided in space, like when we think about Ukraine, for instance, and our situation now. So it seems that our mind is at two positions. Thank you. Two spaces. Bonne question, merci beaucoup. Okay. The question is, la question est Anna. Et qui est d'autre? Ah, tiens, là, tu as entendu. Ce qu'a dit Tima. La voix. trop douce. Est-ce que tu as entendu? Oui. Qui d'autre? Anna. Tout le monde n'a pas entendu la question, hein. C'était par rapport. Oui? Ok. Qui d'autre? Oui? Ok, c'est bon. Hein? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Patrick. Okay. Fine. Très bien. Donc on va le répéter. Et Patrick, tu vas nous dire si j'ai bien eu la question correctement. La question est, et donc pour l'esprit et pour le corps, pour la personne, pour le corps, on peut parler de des parties dans le contexte des parties dimensionnelles. Cela veut dire mes parties à gauche et mon côté droit, c'est l'espace, c'est dans l'espace. Et donc pour la personne et pour le corps, on va parler des parties. Des parties qui peuvent être des parties spatiales dans l'espace. Mais aussi on parle des parties dans le temps. Par exemple, moi, il y a 20 ans, quand j'étais très jeune, moi, quand j'ai ma cinquantaine, et moi, si je ne meurs pas trop soudainement, dans mes 70 ans, mes 80, mes 90, et dans le temps. Et donc le corps physique peut être envisagé en tant que c'est parti dans l'espace et dans le temps, les deux. Et donc l'esprit, on ne parle que des parties temporelles, que du temps, pas dans l'espace. Et donc Patrick, la question, c'est que pourquoi pas l'espace, puisque quand on parle, oh les gens qui sont en train de souffrir en Ukraine, et donc la souffrance, c'est de l'esprit en Ukraine. Et donc il y a plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Et l'esprit qui est sympathique, qui ressent, qui a de l'empathie vis-à-vis de cette souffrance des Ukrainiens. Donc l'esprit des Français ici en France, et qui est dans l'empathie vis-à-vis des personnes qui souffrent. Donc ce sont ces deux consciences qui sont dans les deux localisations physiques. Et donc on pourrait dire que l'esprit pourrait aussi être dans les parties dans l'espace. Et donc on pourrait dire qu'il est divisible dans ces parties spatiales aussi. Qui pourrait me répondre, m'aider à répondre? Oui. Je pense que les instruments scientifiques ne sont pas capables de mesurer la matière, l'énergie qui est l'esprit. Et donc on ne peut qu'en parler parce que ce n'est pas substantiel. On sait que ce sont des parties temporelles, mais ce ne sont pas des parties substantielles, s'il est certain. Donc ce serait, Laura dit que l'esprit n'a pas de partie dans l'espace, n'a pas de partie spatiale, n'est-ce pas? Qui d'autre? Qui veut m'aider? J'ai des... Et qui va me donner la réponse? Et donc, ne vous inquiétez pas de mon visage. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vous donne un visage qui semble être en accord avec ce que vous dites. Waouh, ne soyez pas satisfait de cela. Patrick, c'est Patrick qui doit être content.
donc on dit que l'esprit et l'esprit sont d'une même nature. Mais les souffles, on peut les situer quelque part. Et donc tu es en accord avec Patrick. Oui. Et donc, Vénérable te soutient. Et qui voudrait m'aider, moi? L'esprit est capable de projection, voir de façon proche, ici, le parquet, les fleurs, les personnes, et à un peu plus loin, la cuisine, Magali, et encore plus loin, mais ce sont des projections, un fonctionnement qui dépasse d'ici pour aller là-bas. Il reste un. So mind can project what is there. We can just see the floor, the flowers, etc. We can also our mind can also project things that we don't see now, like Magali, the kitchen, etc. And also farther, we can go farther, but still mind is one. Good. Yeah. Okay. First, Isabel. Isabel. Enfin, quand on voit l'Ukraine, quand on visualise l'Ukraine et le malheur, et qu'on compatit, c'est un petit instant après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc c'est dans le temps. Okay, so when we think about Ukraine, then when we empathize, so it's sequential. We don't do the two things at the same time, so it's temporal. No. Temporal? 100%. Ok, là on est sûr que l'esprit est temporel, mais est-ce qu'il a des parties spatiales, dans le, pas uniquement dans le temps, mais aussi dans l'espace? Et là, ça, c'est, il est certain qu'il a des parties temporelles, mais est-ce qu'il pourrait avoir des parties spatiales, donc des parties dans l'espace? Guillaume. Il peut envisager le présent, le passé, le futur, mais il peut aussi envisager plusieurs localisations en même temps. C'est-à-dire que c'est croisé avec le passé, le présent et le futur. So, mind can think about past, present and future, but also different localizations. So, it's kind of mixed in one sense. Okay. Okay, this is Nessé. Et donc, on va dire Guillaume. Okay. I'm in France. Par exemple, je suis en France, je pense à Tibet House, à Delhi. Est-ce que on est en train de dire que quand on pense à Tibet House que je suis là-bas ou que mon esprit est là-bas ou pas? Non. Non, il n'est pas là-bas. Bien que je pense à Tibet House, à Delhi, mais mon esprit n'est pas là-bas. Ah, mon esprit. Pas moi, mon esprit. Est-ce qu'il est là-bas ou pas? Il n'est pas. Donc mon esprit est en France. Et donc il est localisé. Il est dans l'espace. C'est ce que tu dis. Tu dis non, non. Qui dit non? Oui. Qui? Allez, 5. 5. Pour moi, c'est pas localisé. L'esprit, s'il est là-bas, c'est que son esprit est l'esprit est vaste. C'est-à-dire, dans l'esprit vaste, il y a une partie de l'esprit est effectivement à lui. Ok. Mais il n'a pas de localisation spatiale en même temps. So one mind has no location, special location, but when we think about Delhi, our mind is in Delhi as well. Some part of our mind is in Delhi. Dans l'espace. Okay, let's say that une chose que l'on devrait savoir, c'est que quand je suis là, mon esprit peut voir tout ce qui advient ici.
Et mon esprit peut penser à Tibet House. Oui, je peux penser à Tibet House, mais mon esprit n'est pas là-bas. Parce que, si vous me demandez, qu'est-ce que fait le secrétaire de Tibet House maintenant, je ne peux pas vous dire qu'il soit dans au bureau ou à l'extérieur du bureau, je n'ai aucune idée de cela. Et donc j'y pense, et c'est tout. Alors que ici, si quelqu'un me demande, où est Anne? Où est Sang? Est-ce qu'elle est assise par terre ou sur une chaise? Je peux le dire, elle est assise par terre. Sur une chaise, pardon. Alors quand notre esprit est là ou pas, si l'esprit est ici, il voit ce qui se passe. Alors que si je pense à Tibet, c'est plus de l'imagination, la conceptualisation. Une pensée conceptuelle. Je ne vois pas vraiment ce qui se passe là-bas. Mon esprit n'est pas là-bas. Donc si l'esprit est en France, oui. Si mon esprit est quelque part, mon esprit serait en France alors à ce moment-là. Mais pas à Tibet House à ce moment-là. C'est ce qu'on pourrait garder à l'esprit. C'est une partie. Mais je n'ai pas encore eu la réponse. Ben. Edward, Christian, and Virginie. On a Edward, Virginie et Ben. Si l'esprit avait une localisation spatiale. Et c'est très compliqué. Et c'est. Compréhension très, très subtile. Donc on va écouter toutes les réponses. Si l'esprit avait une dimension spatiale, et donc comme le corps qu'on peut diviser dans le temps et l'espace, on pourrait séparer l'esprit dans l'espace. On pourrait penser à l'Ukraine. Mon esprit serait là en train de penser à l'Ukraine. Et il y aurait un espace ici. Je pourrais diviser cet espace. Et j'aurais deux esprits, un ici et un là-bas. Donc ce n'est pas ce qu'a dit Patrick. L'esprit de Ben est là, et une personne ukrainienne qui souffre énormément, elle est en Ukraine. Et donc cet esprit ukrainien est en train de souffrir. Et l'esprit de Ben, en France, a de l'empathie pour la souffrance de l'Ukrainien en Ukraine. Donc ce sont deux esprits. Alors vous séparez le monde en deux, la France et l'Ukraine. Et donc ces deux esprits seront séparés, oui. Je pense qu'on pensait de la localisation de l'esprit. Et donc c'est ce qu'a dit Seng, donc j'ai expliqué. Et on a eu la question de Patrick qui dit la conscience en Ukraine et la conscience en France. Et donc, une qui est en train de l'empathie et l'autre, c'est l'objet d'empathie. Elles sont de localisation. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'esprit dans le contexte de l'espace? Et pourquoi uniquement dans le temps? C'est la question. Qui? On a Edouard. Je pensais que quand on fait des conférences Zoom, par exemple, et je pense à mes collègues en Australie ou ailleurs, et après 30 minutes ou une heure, je perds la notion de là où je suis assis. Je suis là-bas, parce que je peux les voir, je parle avec eux, et je suis dans la chambre de conférence, la salle de conférence. Et non, même si j'ai l'impression d'être là-bas, alors que physiquement je suis là. C'est pour moi difficile de dire que l'esprit serait localisé quelque part dans l'espace. Est-ce que ton esprit est à Kalachakra en France ou pas, en ce moment? Oui. Est-ce que tu es en France? Non. Ton esprit est en France. Il est localisé en France en ce moment. Il n'est pas en Australie. Oui. Donc il a une dimension spatiale. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec Patrick alors? Mais parfois, on peut être en train d'halluciner, ou, par exemple, la journée, on s'endort, et on se dit,
Ah, mais ça doit être le meilleur de la nuit. Et donc ça, c'est hallucinatoire. Donc on est en France et avec Zoom, on va, vos amis sont en Australie et vous pensez être en Australie. Ça, c'est hallucinatoire. On doit séparer les deux. Qui est Christine? Je pense que le temps est en physique, ils n'ont pas vraiment de constante, mais mettent la constante T dans leurs équations. Mais c'est un mystère, c'est comme un mystère par rapport à l'esprit. Et donc je pensais que ça pourrait être une connexion par rapport au fait que l'esprit est spacieux et vaste, et que le temps ne peut pas vraiment l'expliquer encore. Donc l'esprit est spacieux, ça veut dire qu'il a de l'espace, que c'est infini. Est-ce que c'est de l'espace? Est-ce que c'est de l'espace infini? Et donc il a une localisation. C'est dans notre corps, ah, c'est notre localisation. Vous êtes d'accord? Tu es d'accord avec Patrick? Non? Patrick a dit pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le temps, l'esprit est en accord avec la localisation, c'est physique, spatial. Pourquoi uniquement dans le temps? Parce que l'esprit peut voyager et à travers des souvenirs et une voiture peut aussi voyager et le corps physique aussi peut voyager. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'aspect spatial. Le fait que l'esprit voyage, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de localisation spatiale. Donc il y a de l'espace. Tu es d'accord avec Patrick? Okay, tu es d'accord avec Patrick? Moi, je veux de l'aide pour moi, pas pour Patrick. So as you said before, again, now we can explain mind as a succession or continuum of different instants of mind, whatever small they are. But if we say that there is another one somewhere there, it seems that there are two continuums and not one, or it's difficult to explain how two instants of mind can be on different parts, on different... Oui. Par exemple, tu es là. Et Evelyne est là, et je suis là, on a trois courants de conscience qui sont là. On a trois courants de conscience qui sont là, si on a trois personnes qui sont là. Mais c'est 1 plus 1, 2 plus 1, 3, ça fait trois instants de conscience qui sont... So it's not the same continuum, it's not one continuum. On ne parle pas de toutes les consciences qui seraient un seul continuum, un continuum là, un continuum là-bas, chez Evelyne, un continuum ici en moi, mon corps par exemple, ton corps, et son corps, et ils ont leur propre continuum différent. Oui. Et ce n'est pas que toutes les consciences seraient les mêmes. Exactement comme les corps sont différents, les consciences sont différentes. Ah, ok. That it's not what Evelyne wanted to say. Ok. Je voulais dire que dans une même personne, avec un corps, associé à un corps, il y aurait alors deux continuums. So what Evelyne wanted to say, perhaps maybe that it could not be for one person one continuum, if two instances of mind would be different in space. Ah, je n'ai pas pu suivre. Donc ce serait différentes parties de mon continuum, de cet instant de conscience seraient séparés. Parce que c'est un continuum. Pour une personne,
Il n'y a qu'un seul continuum de conscience mentale. Et donc, quel serait? Et donc, il ne peut pas avoir deux parties spatiales. C'est ce qu'a dit Evelyn. En deux endroits différents, en même temps. Parce que c'est un seul continuum. Ok. Ce qu'a dit Evelyn, ça fait sens totalement, mais la question est, l'esprit, est-ce qu'il existe dans l'espace? C'est la première question, une fois que c'est fait, on va aller vers la question où il y a deux options. On va dire, l'esprit, est-ce qu'il existe dans l'espace? Ça, c'est une question. Est-ce que l'esprit a des parties spatiales dans le temps et l'espace? Et c'est peut-être ce que... Je dirais ok, ce que Evelyn a dit. Malgré tout, les gens pourraient avoir plus de discussions pour dire oui, même pour une seule personne individuelle, l'esprit ne peut pas être divisé en deux, physiquement. Au même moment. Si c'est deux en même moment, soit il y a deux courants de conscience qui doivent être là. Mais pas nécessairement au même moment, mais ça peut être des moments différents. Il y a le corps, l'esprit dans le corps, et hier dans le corps, aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, oui, en effet, Virginie, est-ce que tu as une idée? Tu avais une question pour me soutenir? La visualisation de la fleur, la conscience qui est consciente d'être en train de visualiser la fleur. Et donc, on a l'impression qu'il y a des parties, mais moi je me dis que ça peut être des successions d'instants de conscience qui switchent, enfin je ne sais pas le dire en français, qui passent de l'un à l'autre très très rapidement, mais quand notre esprit est trop grossier, on ne s'en rend pas compte. Et donc on a l'impression qu'il y a bien deux espaces. Et en fait, c'est deux instants de conscience qui vont tellement vite et qu'on n'est pas capable de le percevoir que ça crée cette impression. So the question is that when, for instance, when we think about the flower, and we have the mind observing, the mind thinking about the flower, it seems that we could have the feeling that it's two minds and two spaces. But Virginie thinks that it could be like two like a sequence of minds that goes so quick. So it gives the feeling that we have two types of mind, but it's only one. It gives the feeling that the opposite, the other way. Et donc ce que dit Virginie, oui, ça fait totalement sens, oui, c'est tellement vrai. Mais comment est-ce que cela répond à la question de Patrick? Et donc ce que dit, c'est vrai. Par exemple, j'observe cette conscience, l'observateur et l'observé. L'objet, l'esprit objet, l'esprit sujet. Ce qui peut arriver, c'est que c'est comme, vous avez certainement remarqué que ces deux mains, les doigts se rencontrent, et donc si ces doigts sont en rouge et les autres sont en bleu, et là vous avez les doigts ensemble, comme ça les mains ici, et si je vais très vite, vous allez voir le rouge, que tout n'est que rouge. Et si je bouge cette autre partie, tout bleu, ça va être bleu, le bleu qui va bouger. Parce qu'à une distance, on ne voit pas rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Quand le rouge bouge, on a l'impression que tout est rouge, que tout l'ensemble est rouge. Mais en réalité, et c'est juste l'un après l'autre, 1, 2, 3, et donc ils sont mêlés, ce n'est pas comme un continuum, c'est
il y a une interférence du bleu. Donc à une distance, on voit que, ah, mais on voit juste que du rouge ou simplement que du bleu. En réalité, c'est toujours un mélange. Et donc, de la même façon, l'esprit qui, objet, qui observe et l'esprit qui est observé. Et donc, c'est séquentiel. Mais, et donc, on a l'impression qu'on a deux consciences qui sont là, l'observateur et l'observé. Mais ce ne sont pas deux, c'est un seul, bien sûr. Ça va tellement vite, et ça bouge très vite. Et donc, ça, c'est parfait. Mais comment est-ce que cela répond à la question de Patrick? Ok. Thomas? Can we say est-ce qu'on peut dire le continuum de conscience est sans est, 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 est dénué de temps. Est dénué de temps, ok. So, est-ce qu'on peut dire time and space exist together. Le temps et l'espace existent ensemble. La question c'est est-ce que l'esprit est-ce qu'il a une localisation physique d'abord? Et ensuite, est-ce qu'il peut être séparé en des parties physiques? Si l'esprit est dénué de temps, alors il n'y a pas d'espace, parce qu'il n'y a pas de temps. Le temps, ça ne veut pas dire ça veut dire que c'est un temps infini. For example, we speak about past. On parle du passé. Si on dit dans le sens de l'absence de temps, à ce moment-là, on va pas dire non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas dénué de temps. Si on pense au passé ou au futur, on peut juste parler de... On ne peut pas expérimenter cela. C'est juste intellectuel. Le passé, c'est un souvenir. Et le futur n'est pas là. Cela n'arrivera jamais, le futur. Mais tu n'es pas en 2022? Est-ce que tu es en 2022? Oui, mais ça continue. Est-ce que tu es en 2022 ou pas? Oui, tu es en 2022. Tu expérimentes cela. Oui. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Ok. Ah non, que Cyril, quelque chose qui serait localisé dans l'espace ne pourrait pas être à deux endroits en même temps. Parce que notre livre ne peut pas être à Paris et à New York en même temps. Mais l'esprit peut être dans deux endroits en même temps. Parce que si je rêve dans mon esprit, dans ma chambre, je rêve, mais je rêve de New York. Là, mon esprit est aussi à New York. Hein. Là, mon esprit est à deux endroits, dans ma chambre à New York. Et non, que j'avais déjà donné la réponse à 5. Tu es dans ta chambre en France, tu rêves d'être à New York. Ça ne veut pas dire que ton esprit est à New York. Qu'est-ce que j'entends par ton esprit est à New York? Ça voudrait dire, quand tu te réveilles, et je te dis que... Et il y a mes amis qui s'appellent Tenzin. Qu'est-ce qu'il fait à New York maintenant, en ce moment? Et quand tu es en train d'arriver, etc., qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et toi, tu me dis, oh, j'ai rêvé de votre ami Tenzin, et j'étais à New York dans mon rêve, et j'ai rêvé de votre ami Tenzin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à Starbucks, par exemple. Et non, on a parlé à Charles dans un bar, dans un café. Et donc, j'appelle. Hey, pourquoi est-ce que tu étais tout ce temps au café? Non, moi je faisais mon boulot au bureau. Et donc, ça veut dire que c'était un rêve, ton esprit n'était pas là-bas. Et donc on va s'arrêter là. Et donc réfléchissez et on y reviendra. Et c'est l'après-midi, on aura une classe et il y aura NCC et après le NCC, on va essayer d'avoir une classe, une classe plus brève. Ça finit à 4h30 le NCC. On aura une classe à 5h15 jusqu'à 18h15. Okay.
Alors réfléchissez-y, c'est une question très sérieuse et on va voir ce qu'on peut en faire. Om Gate Gate Aragate Parasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Aragate Parasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Aragate Parasam Gate Bodhiswaha